Salut, moi je m'appelle Quentin. Je suis trop fort, moi. Je vous dis, je pèche jamais. Je suis trop digne de Dieu. Moi, je mérite le ciel. Moi, je vais me présenter devant Dieu. Je vais lui dire, punaise, t'as vu, j'ai quasiment pas péché dans ma vie. Ouais, j'ai un peu péché avant ma conversion, mais c'était pas trop grave. Après aussi, j'ai péché, mais j'ai rattrapé ça par plusieurs heures de prière. J'ai fait plein de vidéos, donc ça rattrape, tu vois. Ça rattrape toutes les fautes que j'ai commises. Ouais, et puis ouais, le sacrifice de Jésus, j'en ai besoin qu'à moitié. Qu'à moitié. Ça va, mes œuvres, elles vont faire que je mérite le ciel. Là, je vais trop mériter le ciel. Là, c'est pas comme les autres neuneux, là, qui œuvrent même pas, là. Enfin, si, ils œuvrent, mais ils disent qu'on est sauvé que par la foi. C'est quoi, ça? Punaise, on doit mériter le ciel. L'homme, il a une part de bonté, il peut mériter le ciel, là. Qu'est-ce que vous racontez? Et moi, je vous dis, je mérite le ciel, je suis trop fort, je me sanctifie, je suis trop fort. Je prie 4 heures par jour, je suis trop fort, moi. Ouais. Allô Jean-Claude, comment tu vas? Quoi? Tu me dis que t'as péché là? Quoi? Tu as menti? Mais même si tu te repens là, t'as péché quand même. Moi je te dis, t'es pas digne de Dieu. Tu es indigne. Tu mérites pas d'être chrétien, toi. En plus, je t'ai vu cette nuit en songe. Je t'ai vu là, il y a les démons qui venaient te chercher là. Oh là là, mais ouais, mais t'es sincère, t'aimes Jésus, mais tu pèches trop, je te dis, tu pèches trop. Tu pèches trop. Je te dis, tu mérites pas d'être chrétien, là, je sais même pas pourquoi Dieu, il t'a sauvé, là. Oh là là, ça fait 4 jours que j'ai pas péché. Donc là, ça vaut le coup de pécher un petit coup, là. Ça vaut le coup, là. De toute façon, Dieu, il tiendra pas compte, là, vu ces 4 jours de super performance à ne pas pécher. Il faut que je vous raconte, les amis, hein. J'ai fait un songe cette nuit. Dieu m'a donné un songe, ça c'est la preuve que Dieu est avec moi. Il m'a montré que j'étais l'un des seuls vrais chrétiens sur terre. Vous savez pourquoi il m'a dit ça? Parce que je me sanctifie à fond, je fais plein de vidéos, je fais plein de trucs moi. Donc je suis méritant, je suis digne, je suis trop fort. Comprenez? Moi j'ai pas besoin que de la grâce comme les autres, moi je peux aller au ciel par moi-même là en faisant des efforts, quelques petits efforts, mes petites performances. Et c'est bon, j'ai le salut, hein. Franchement, je suis trop fort. Et franchement, là, hier, j'ai prié 5 heures, Dieu est ouais, trop fier de moi. Ah oui, j'oubliais de vous dire, là, j'ai vu tous ces gens-là qui prêchent le salut par grâce. Là, ils citent Éphésiens 2, chapitre 8, là, ils n'arrêtent pas de citer Paul. Je les ai tous vus en enfer, ces gens-là. Ils étaient en enfer en train de crier. Et moi, je les voyais du ciel, là, en train de les voir souffrir. Tout, 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 oh, oh non. Oh non, mince, je viens d'écraser une fourmi. Oh non, c'est un péché. Il faut à tout prix que je me rattrape. Il faut que je trouve un SDF pour lui passer de l'argent. Oh là là! Bon, si je fais le point, j'ai péché une fois en écrasant une fourmi, une fois j'ai haï mon meilleur ami dans ma pensée, donc ça fait deux péchés, donc il faudrait que je prie une demi-heure, et comme ça Dieu va me pardonner. Il faut que je me prosterne aussi, sinon Dieu ne me pardonnera pas. Allez, une demi-heure, on va prier à fond.